Ouais, salut mes birds, c'est Parano, on se retrouve pour ce 9e épisode sur Wolfenstein The New Order. J'ai failli tomber comme une merde pour commencer l'épisode, ça commence plutôt bien. Je voulais récupérer mon arme, je suis dégoûté. Donc j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la patate, comme d'habitude. J'ai enchaîné le 8e épisode, le 9e. On va voir comment ça se passe. Comment on fait passer par là? C'est quoi les bails là? Je comprends pas. C'est quoi les bails, c'est quoi les cheese? On va faire monter par là. Si. Il y a même pas de secret, il y a rien quoi. Troller le truc. Troller, trop troller, troller. Oh la con de. Oh non! Oh non! Quelle merde! J'ai relâché le sprint quand je suis. Oh putain! Je vais voir que des fails en commentaire. Fail, 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 les gars. Vous savez, quand j'étais gosse, l'homme que j'admirais le plus c'était mon prof de lutte, Monsieur Andersen. Vous me faites penser à lui. Toutes ces années à maintenir la résistance avec Caroline. Combien de fois je me suis demandé que ferait le capitaine Blaskovic? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Je le fais toujours. Bon, je vous dépose ici. Allez, recharge, Moret, recharge. C'est bon. Genre le plus dur est devant vous, tu sais, le plus dur il fait, tu sais le mec. Heureusement je fais cette glissade de fou là. Mon cul le plus dur est fait, ouais. Tais-toi, toi. Tu vois pas que tu m'as mis la haine. Pas mal la petite musique. Vous y êtes presque, capitaine. Regardez au bord, le wagon du Nautica est juste en dessous. Je me méfie, hein, la vérité. Oh, le cul. J'ai les papiers. Et maintenant? On n'a pas de temps à perdre. La navette part ce soir du London Nautica. Tu auras besoin de ton équipement là-haut, mais tu devras le mettre en soute. Impossible de le prendre en cabine. Tu vas devoir faire profil bas. Il faudra sans doute que tu fasses une petite toilette. Et une petite sieste aussi.
Une fois à la base lunaire, tu devras récupérer ton équipement dans la zone des bagages. Ensuite, tu pourras partir à la recherche des clés de décryptage. Mort de rire. T'es une anesthésiée, tu sais le truc. Ça y est, on est dans la lune. The moon. The moon. C'est bien ici, The moon. Courir, ouais, quand même. Ouais, d'accord, c'est là que je dois aller. Merci, biatch. Je vois pas de machine arrière là. Enfoiré, hein. Putain, c'est quoi, je te remets un coup de tête là. Da. Allez, détruire. C'est le mec, il est dans le rôle et tout à fond. Oh, laisse-moi tranquille. On a besoin de moi sur le pont, vite. Appelez votre commandant. Où dois-je passer? Ok, pourtant je suis allé devant là, non? C'était quoi ces codes? 0, 3, 5, 9, 6, 0, 6, 0. Ah, peut-être par là. Ni vu ni connu! Caroline, Anya, vous me recevez? Blazkowicz? J'écoute, Blazkowicz. Seth, amplifie le signal. Blazkowicz, tu me reçois? Comment ça se passe? Yeah. Je suis sur cette putain de lune. Surveille ton langage. Je lui passerai la bouche au savon. Bien. Blazkowicz, ta mission est de voler les clés de décryptage nucléaire dans le module de commandement. Tu vas devoir sortir pour atteindre le module de commandement. Et tu vas devoir trouver une combinaison spatiale. Affirmatif. Je crois en toi, William. Les combinaisons spatiales se trouvent près du SAS. Je te conseille de passer par les quartiers du personnel et ensuite de traverser le laboratoire. Tu me conseilles. Merci pour le conseil, mais bon. On peut pas passer dans ce bordel. Je pensais qu'on passait par là. Loon quoi? T'as mal? En plus j'ai que ça. Bon, ça va jouer au couteau alors, hein. Oh, c'est quoi ça? Arrête de tirer, mon goal, ça sert à rien. Ah d'accord. Oh le bâtard. Oh, pistolet lunaire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait quoi? Ah mais si, ça marche.
Et il est énervé lui. Oh. Ah d'accord, silencieux de merde. Donc j'ai usé déjà 800 balles. C'est bon. J'en ai pas marre de tirer. Bon, vous avez compris, ça va se jouer en mode infiltration. J'ai envie de dire pour pas changer. Un petit déception de ce côté là. Mais lui, est-ce que je peux le... Lui d'accord, c'est juste l'autre qui était en mode fusil, lunettes, amélioré, laser. Ok. What? On dirait l'arme de Killzone Shadowfall. Pas mal. Double. Oh yeah. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Ah, quoique, peut-être on va pas la jouer qu'un filtre. En même temps, mec, y a un capitaine? Oh oui, il y en a deux. Il y a deux capitaines. Donc c'est une grenade, hein, il a dit. Il est là-bas. Je fais des trucs, je sais même pas comment je les débloque. C'est cool. Je suis un peu le mec débile là, mais ça me fait délirer quoi. C'est pas le capitaine lui qui est devant moi là? Si, si. Je vais attendre qu'il se retourne. Et voilà! Ça y est, Killzone Shadowfall quoi. Oh putain! Oh, c'est dégaine, franchement je kiffe hein. Ah, la diversité des armes et tout. Bon, en soi ça reste les mêmes mais what? C'est quoi ce délire? D'accord, ça se recharge mais doucement hein. Ah là le rechargement de merde quoi. J'ai plus de munitions dans rien en fait, j'aurais pas dû faire le con. Oh putain! Et ouais, c'était obligé ça. Bon, en tout cas, j'aurais amélioré mon truc, je suis content. Maintenant, je vais les attaquer tous au couteau hein, vu que j'ai pas le choix. Donc, j'ai fait deux améliorations, deux atouts, j'ai pas compris ce qui s'est basé. Ouais, c'est cool. On va regarder ça de suite. L'air de rien, ça monte plutôt bien. Hein. Augmente la vitesse de déplacement avec les mitraillettes. Avec votre mitrailleuse, merde, pardon. 5 victimes en 10 secondes avec une mitrailleuse détachée. 5 victimes en 10 secondes? Ah ouais, ah, rigole plus là, ça y est, sur les derniers atouts là. Ensuite, ennemi mécanique tué à la grenade. D'accord. Victime indirecte avec une grenade ennemie, d'accord, j'ai pas compris. Ça s'est débloqué. Pistolet, accélère au chargement des armes. Ah oui, pistolet 39 sur 50. Faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Victime à couvert au fusil d'assaut. Tire. Oh là là, 6 sur 80, d'accord. J'ai toujours pas fini celui-là. Hein. D'accord. Permet de sprinter plus silencieusement, accroît la vitesse de déplacement. Oh merde! Illumination furtive sur soldat 47 sur 50. Donc, on soit d'accord. D'accord. C'est bon, c'est cool. C'est cool tout ça, bébé. Okay. Là, il y a un truc pour recharger.
Donc 48 heures. C'est bon ça, du coup il m'a pas repéré ce chacal. Et en plus j'ai des mines. Là 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 l'air. Bon déjà je saurais que je pourrais prendre ça. Juste que je trouve où sont les autres chacals là. Il a failli me repérer. Je dirais qu'il y a un truc qui brille là-bas au fond là. Sérieux? Bon, j'ai fait mon défi. Je suis content. Du coup, permet de se prêter plus silencieusement, accroît la vitesse de déplacement, en position accroupie. Ouais, c'est cool, franchement, c'est. C'est tout ce que je souhaitais. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu break? Ok. Ça t'apprendra à vouloir faire le malin. Faut que je joue plus au gun, hein. C'est vrai que c'est un truc que je ne fais pas sur le jeu. Le pistolet, c'est quelque chose que je ne joue pas beaucoup. Je vais essayer d'y remédier. Bon, j'ai pas fait tant la merde que ça, j'ai pu faire 2-3 atouts encore une fois. C'était plutôt cool. Non, par contre, on peut pas. Voilà, on peut pas changer, on peut. C'est que silencieux le bordel, on peut pas enlever. Du coup, je voulais passer où? Je regardais là. C'est vrai qu'il court deux fois plus vite, quoi. Deux fois plus vite, c'est un grand mot, mais. Ça peut être intéressant sur le long terme, après sur le jeu. Mais je dois aller où, putain de merde? Pardon. Je me suis emporté. Je comprends pas. Ouais. Et alors? Artoun, Artoun? Pourquoi elle brille l'arme? Pas tout à fait ici là. Ah d'accord, faut trouver une combinaison. Pris du sas, mais what? Où c'est? Je sais pas du tout, Moré. Pris du sas, mais non. De quel sas tu parles? Sérieux, en mode galérien là? Je vais me faire courir sur toute la pièce là, putain de merde. Juste qu'un truc se déverrouille quand tu passes à côté en fait. D'accord, des fois tu vois des trucs. Signal détecté donc. Il devrait y avoir un tunnel de service qui relie les quartiers du personnel au laboratoire. Essaie de trouver le moyen d'y accéder, William.
Oh, t'es sérieux? Je m'enferme dans les chiottes, allez vous faire foutre! Oh putain, Tron Legacy! On est où là? Ah ouais, d'accord! Je sais plus où je vais, mais c'est cool! Ça fait mal aux yeux, putain! Salut. Salut. C'était pas ça que je voulais recharger, mais c'est pas... C'est ça que je voulais recharger, gros, mais c'est pas grave. Ah d'accord, ça atteint, ok. Limite ta tête. Ok. Je me régale à chaque fois que je me trompe de touche. Auto Panzer? Je sais pas ce que c'est ce que j'ai fait là. Bon, lui il a l'air débile donc on va prendre notre temps. Voilà, comme ça c'est fait. Donc j'ai eu un truc qui s'appelle Auto Panzer. J'ai pas regardé bien là tout ce que c'était. Auto Panzer remet... permet de renforcer votre arme quand vous enchaînez rapidement des victimes. D'accord. Alors, victime indiscrète avec le ricochet. Ouais, ça par contre, ça peut être. Voilà. C'est pas cool, hein. Faire des actions comme ça. Bon, on va pas non plus aller dans tous les... Je pense que question discrétion... Discrétion, ça va pas le faire, ça. Je suis à combien? 23. En fait, c'est des tuyaux qui mènent dans d'autres tuyaux. Toujours un truc derrière? Non, pas cette fois-ci. Je suis là. Pourquoi pas? J'avais même pas vu qu'il y avait un mec là. Artoun ! Mec gonflé, hein. Chaque fois je vais la jouer discret. Il fait TB en fait. Chaque fois je fais des efforts, putain. Je fais tout ce que je peux moi pour jouer bien discret et tout, mais ça marche jamais. En même temps je suis tellement de la merde. Ok, ils te donnent des couteaux au cas où quand même, s'ils te disent, si tu veux quand même la jouer discret, t'as quand même des couteaux de lancer, voilà, tu vois. Très beau sprint. Merde. Pas d'armes sur moi, c'est bon. C'est number one. Another one. Oh. Oh.
Oh, trois fois je l'ai raté. Putain. Dans la catégorie Sgeg qui ne s'est pas vidé, visé, je voudrais Monsieur Parano. Allez. Yes! Let's rock! Ok, ça servait à rien, mais bon, voilà, je vais le faire. Moi, je l'aurais fait une fois dans ma vie! Pourquoi sobre et obscur? Ne vous inquiétez pas, j'ai vu que c'était par là, je voulais juste voir s'il n'y avait pas d'autres trucs. Je vois déjà Chenef dans les vidéos, dans les commentaires. C'est par là. Et lui, il m'a même pas vu, lui. Enfoiré. Il y a un autre tunnel de service qui relie les laboratoires au SAS. Essaie de le trouver. Je vais essayer, mais je te promets rien. Je suis dans le bleu, tout baigne. C'est bon, je vais rester que comme ça, quoi. Ça me rappelle Far Cry 3, ça, vous voyez l'atout là, qui court plus vite en se déplaçant. Je me rappelle dans Far Cry 3, je me déplaçais que comme ça après dans le jeu. Genre même plus je me levais. Le mec, t'as l'impression qu'il marche plus vite comme ça que... Je sais pas si c'est là, mais en tout cas j'y vais. Ça a l'air d'être là. Ok bébé, on arrive. On va te faire ta fête. Ça y est, je trouve la combinaison. Hallelujah. Bon, j'enfile une combinaison spatiale pour marcher à la surface de la Lune. Pas de quoi paniquer. Délire. Je vole. Wow. Eh hey mec, mec, oh, j'ai failli tomber. C'est bien reproduit la pesanteur, je trouve. Hein. C'est. Là, le putain de background pourri par contre. Je suis venu en paix. Quoi? Je sais pas trop. Ennemi droit devant. Allez, dites-le. Arrête de bouger, cousin. Ok, ok, ok. Je dois aller où là? Là-bas? C'est pas sérieux. J'ai raté un truc. J'arrive. Non. C'était vraiment une mini phase hein, spatiale. Bon, c'est toujours kiffant, hein, c'est toujours mieux que ça que rien. Mais pour le coup, franchement, cette arme elle ressemble vraiment, vraiment, vraiment à l'arme de Killzone Shadowfall, l'arme du Marshall.
pour toutes les personnes qui auraient vu le let's play, elle y ressemble énormément, moi c'est pas non plus... D'accord, la petite zone, voilà quoi. Cool. Cool, cool, cool. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Je me souviens de ce jour, dans ce foutu camp. Cette femme, je la connaissais. Une forte personnalité, volonté de faire. Plus de famille, plus aucun proche. Mais elle a toujours gardé la foi. Moi aussi, je garde la foi, mais pas avec autant de certitude qu'elle. Pour moi, tout doit être remis en question pour laisser place au questionnement. Sinon, on ne peut rien apprendre. Regardez ça. Ce camp est le fruit de la conviction aveugle et féroce. C'est là que conduit la certitude absolue. Pourtant, vous êtes croyant. Je me demande souvent quel genre de Dieu peut permettre que mes souffrances arrivent. Et je me demande aussi si ma foi est vraiment bien placée dans de telles circonstances. Il nous met peut-être à l'épreuve. Bien, Simpson, si jamais c'est une épreuve, nous échouons misérablement. Pourquoi pas? Il a mis où son bout de peau? Il a jeté au sol, normal. Mais le mec, c'est vraiment le stéréotype, genre gros bourrin et tout. Le mec s'arrache la peau et tout, n'importe quoi. Il y a un terminal contenant une base de données de cryptage-décryptage dans la salle d'opération. Trouve cette salle, puis accède à l'ordinateur et imprime les clés de décryptage nucléaire. C'est du n'importe quoi ce jeu, je vous jure. Ça tape des délires des fois. Et les gros robots, comment je les passe là en fait? Ah. Tu as cru voir quelqu'un, mais il n'y avait personne. Je suis un fantôme qui prend des couteaux. Et qui se sert dans les casiers pour prendre des grenades. Hey, Strass, tu as pas vu les deux couteaux, les deux bombes qui me manquent là? Je sais pas, tu les avais mis où? Faut que j'arrête de fumer, moi, sérieux. Non. Si c'était le cas en plus. Ça, le pire, c'est que je fume plus depuis. Depuis un petit moment déjà. Se faire opérer. Mais mec, le truc c'était mi-robot, mi-humain. Pourquoi pas, fusil à lunettes. Tu m'as fait échouer mon défi, putain. J'ai tué, non? On va pas partir comme ça en laissant vivre. Trop de nazis vivants là. Même si tu es mort, je te tire encore dessus. En fait, il en restait plus qu'un. Y'a pas un truc de... Si. Mais c'est nickel tout ça. Allez, on stade ici.
pan pan clic boum. Romanona. Romona. Plutôt. C'est quoi ce jeune chelou là qui me fait freeze un peu là? Oh, il y a des putains de Golgoth partout en fait. Je sens que je vais mourir. C'est quoi cette zone d'ouf? Sont rares hein, sur le jeu là. Oh putain! Heureusement que c'est pas comme dans Code là pour le coup, parce que dans Code quand il vous arrive dans le dos comme ça, le mec vous met un coup de couteau sauvage. Ouais, il met un coup de couteau dans le dos et vous êtes mort de recommencer l'émission. Là pour le coup, le mec il était gentil avec nous. Presque fou en fait. Il est où le coquin? Ah il est là. En fait si je fais le tour de ce côté que je fais le tour de l'autre, ça va pas le faire. Ok, maintenant il faut que je trouve la sortie. C'est quoi cet endroit chelou? Je peux passer par là ou pas? Pas du tout. Je sais pas du tout où je vais, hein, je vous le dis. Là, c'est total what the fuck. Je cours. Ah, peut-être par là. Ça va voir Armstrong. C'est dans le module de commandement que les super soldats de nouvelle génération sont créés. D'après ce qu'on sait, ils devraient pouvoir accéder à la salle d'opération depuis cette zone. Ok mon ré. Baby. Ces clés de décryptage, inutile de s'éterniser sur ce caillou. Tu vois, ça fait pas un petit truc si j'arrête sur ça, non. Petit truc caché là. Ah, il est sur la table, c'est le dossier. C'est bon. Je suis en train d'imprimer les clés. Bon travail, Blazkowicz. Dépêche-toi de nous rejoindre sur Terre, William. Préférable de passer par là, je pense. Sans mourir comme une merde, ça serait encore mieux. C'est quelque chose que je trouve.
Ben voilà. J'ai vraiment du mal à me repérer avec ces cartes comme ça là, pourries. Moi qui croyais que ça allait te faire du bobo, moi un petit peu quoi. Enfoiré. J'ai perdu un couteau. Ah voilà. J'ai perdu un couteau par ta faute. Excuse-moi, je croyais qu'il y avait personne, qu'on était entre moi et la boîte, tous les deux, entre amoureux. C'est fini de rigoler, c'est bon. Par contre, putain, ça redescend super vite les trucs, c'est abusé. Cassons-nous d'ici. Il va se passer un truc de malade. C'est pas possible. Ok, et d'accord. J'ai cherché en haut alors que c'était en bas. Ok, ok. Bon, écoutez les oiseaux, moi je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode vu qu'on est déjà presque à 45 minutes de vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce 9ème épisode sur Wolfenstein The New Order. On se rapproche petit à petit de la fin. Voilà, l'aventure est plutôt cool pour personnellement. Après à vous de voir si tout cela vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous aimez toujours ce let's play en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt, c'était Parano. Allez, peace. J'ai envie de le tuer lui, non. Vas-y, la prochaine fois. Allez, peace.